Salut amis de YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bassim est sur les traces de l'amiral Nadir. Donc il y a pas mal de petites recherches avant pour trouver où il se cache. Je vous souhaite bon visionnage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Cela fera extrêmement plaisir et ça soutient. Je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. La maison des officiers. Reste maintenant à trouver comment y entrer. Ne faites rien. Dieu ait pitié de son âme. Seulement ils ont leur salle à eux, mais il faut en plus qu'on la garde.
Je ferais mieux de repartir. Qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce que... Quand je te trouve, je t'écorche! Quoi? Verrouillé. Ce doit être la salle des officiers. Bien sûr, il me faut la clé. Examine les lieux. De leur salle. C'est quelque chose, ça, non? Montre-moi le chemin. Une minute. Tu crois pouvoir te cacher encore longtemps? Hey, qu'est-ce qui se passe? Une minute! Bien qu'on t'aurait arraché les yeux. Hey!
déjà vu la femme dont on a pris le mari. Il ne t'est pas interdit, disons, d'en faire ton esclave. Ah, ne me lance pas ce regard-là. Allah nous a dans ses bonnes grâces, Jasur. Ou penses-tu naïvement que seul le puissant Almar Dihwar a droit à de tels avantages? Ne prononce pas son nom, même ici. De nous tous, c'est lui qui m'effraie le plus. Tu sais comment il est. S'il découvre mes fautes passées, où pourrais-je me cacher? Contrairement à toi, je n'ai pas de navire, Nadir. En effet, tu as peut-être pris des libertés avec la vérité par le passé. Mais tu as maintes fois prouvé ta loyauté. Tu as exécuté ces rebelles, il y a peu. Avec plus de sang-froid qu'il n'en a fait preuve en l'ordonnant. C'est peut-être lui qui devrait te craindre. J'entends ta voix, mais ces mots sont ceux de Shaitan en personne. Ne plaisante pas. Je ne veux pas d'ennui à son retour. Shaitan ! Un beau compliment venant de ta part. Je te l'ai dit et répété. On nous voit d'un bon œil, Jasur. Et nous n'avons rien à craindre. Où est Dohan ? Il est en retard. Comme toujours, mon ami, tu t'en fais trop. C'est pour cela que tu n'es qu'Al-Rukh et que moi, je suis Al-Aishmeh. Mes excuses, seigneurs généraux. Dohan bin Arslan a été tué et nous craignons la présence d'un intrus. Nous devons vous mettre à l'abri. Je savais qu'il y avait quelque chose. Dohan n'est jamais en retard. Ces deux-là font partie de l'Ordre, et sont au service d'un troisième appelé Almar Dihwar. Mais pour l'instant, il faut que je parte d'ici. Je ne crains plus rien. Je dois à présent retourner voir Fulan. سأرمي نفسي عاجلا في نهر أن تدير أي أعمال تشير إلى مدى a remué beaucoup de fourmilières. Les mercenaires grouillent partout, comme des fourmis furieuses. Cela explique l'absence de Béchi. Il évite donc les mercenaires. J'ose espérer que tout cela en valait la peine. J'ai découvert que deux des officiers appartenaient à l'Ordre. Et il y en a un troisième, leur chef. Trois ? Voilà qui explique la puissance de l'Ordre à Sharkia. Les deux premiers sont appelés Al-Rukh et Al-Aishmeh. Le troisième, Almar Dihwar. Ils se cachent derrière des noms ronflants comme des gamins orgueilleux. Ne prends pas les coquetteries de l'Ordre pour de la puérilité. Ils constituent le réel pouvoir derrière les Abbassides. As-tu découvert quelque chose qui permettrait de les identifier? Le dénommé Al-Aishmeh a pour vrai nom Nadir. Il a des navires sous ses ordres, et il est bien moins timoré que son compagnon. Arrogant, en somme.
Nadir. Il doit s'agir de l'amiral Nadir ibn Havid, un fanfaron qui se préoccupe plus de ses nefs que de ses hommes. Ah oui, l'amiral. Fanfaron, certes, mais brillant. Il a créé plusieurs nouveaux navires de guerre pour le calife. Le recrutement de Nadir a accru le pouvoir de l'ordre. Tu peux le chercher au port inférieur, au nord. Le surnommé Al-Rukh a été appelé Jassur par son compagnon. Il n'est pas fier de son passé et craint qu'on le découvre. Jassur, oui. Ce doit être le général arabe Jassur ibn Basil. Je le connais. Un lâche qui s'est approprié des victoires obtenues par d'autres sur le champ de bataille. Un passé qu'il a pris grand soin de dissimuler. Jassur a une villa à Kassar Saleh, à l'ouest. Tu pourrais le chercher là-bas. Quant à leur chef, Al-Mardi Khwar, je sais seulement qu'il est pour l'instant loin de Sharqiya, mais devrait revenir bientôt. Celui-là, j'ignore qui il est. C'est la première fois que j'entends ce nom. S'il est leur chef, c'est lui qui a ordonné la mort de mes hommes. Tu dois le trouver. Oui, et aussi pour d'autres raisons. Notre meilleur moyen de le dénicher est par le biais des deux autres. Trouve cet Al-Mardi Khwar comme convenu, Basim. Je vais attendre Béchi. Merci d'avoir aidé à libérer mes hommes. Accepte ce jeton, en remerciement. Je vais trouver Jassur et Nadir, et démasquer leur chef. Ils seront sur leur garde, à l'abri, dans leur place forte. Tu vas devoir les forcer à se montrer. Sois très prudent, Basim. Ces hommes sont dangereux. Tout autant que moi. La paix, mon ami. Content de te voir. Peut-être ton talent pourrait-il s'exprimer. Je t'en prie, regarde. Rien d'autre ? Quelles merveilles inédites as-tu créées ? Tiens, regarde ! Ce sera tout ? J'aimerais faire appel à ton savoir. Voilà ce que je possède. Tu en as vu assez ? Merci de me faire profiter de tes talents. À une autre fois. Ravi de te voir. Bonjour. Remarquable. Je te remercie. Adieu. Manger n'est plus pour vous un corvée. Arman, le marchand d'épices situé au cœur du bazar. Et un ventre. Ou de chaque boucher. Le calife, lui. Ce message.
Bonjour. Bonjour. Permets-moi de jeter un coup d'œil. Voici ce que je propose. Il ne faut jamais être pris au dépourvu. Merci bien. Seul un fou néglige son équipement. D'une fiabilité sans faille. Ce sera tout pour aujourd'hui? Je dois m'en aller. Reviens me voir, surtout. La Bouddha. Certains de ces gens roulent chez le parle. Ils sont sauvages. Tout le secteur est en alerte. Prudence, on s'attend à ma venue. نحن نلتزم بشلون لو
Que voient tes yeux? Il va falloir trouver une autre approche. Voilà, d'où vient cette sorcière? Un message. Al-Mardihwar avait des questions à propos du passé de notre ami. Malin. Ainsi, il était convoqué à la grande garnison. Un de moins. Maintenant, au tour d'Al-Aishma. شخص ذكي جدا. يزعمنا الثمانيون على الأقل في خراسان. أن يكون المسجد قريبا إلى هذه. يخلطه ببعض دقيق الأرز. جيد واحد. Voilà le port. Maintenant, trouvez l'amiral Nadir. Va, Enkidu. Non, c'est trop dangereux, Enkidu. Attends d'ici.
Il n'y a plus de danger. Vol à ta guise, Enkidu. Alors, que vois-tu ? Ah!
Il est temps de filer. Que la paix soit sur toi, l'ami. Voyons un peu ce que tu as. Le choix ne manque pas. C'est toujours utile. Un très bon choix. Vendu. Un guerrier avisé soigne son matériel. Ce sera tout pour l'instant. Bien, il faut que j'y aille. Fais bon voyage, l'ami. Que vois-tu, mon ami ? Pardon, Enkidu. J'ai manqué de vigilance.
L'amiral est une outre à vent. J'ai jamais vu quelqu'un parler autant et en faire aussi peu. Même pas toi, d'ailleurs. La ferme ! Si l'amiral ne te fait pas fouetter pour que tu te taises, moi je le ferai. J'ai besoin de ta vie, mon ami. Je vais t'accrocher par... Tu vas souffrir. Tu courras moins vite. L'amiral s'inquiète plus de sa précieuse maquette que de ses hommes. Regarde-moi ça.
Reviens pas qu'elle flotte. Ce serait bien dommage et un vrai drame. Offre-nous une meilleure vie. On se régaler. D'après cette note, l'amiral Nadir est inquiet. Il tient à ce qu'aucune flamme n'approche de son prototype. À propos de cargaisons manquantes appartenant aux mercenaires turcs.
L'amiral se remplissait les poches. Et deux de tués. Je dois retourner auprès de Fulan. Je dois retourner voir Fulan et lui annoncer la mort d'Al-Urur et d'Al-Aishma. Observe bien. Je suis un homme recherché. Un instant, Ali. Commençons plutôt par écouter Bassim. As-tu pu mener à bien tes tâches? Le général Jassour et l'amiral Nadir sont morts. Et Al-Mardirwar, es-tu parvenu à l'identifier? Pas exactement. Le général Jassour avait reçu l'ordre de rencontrer Al-Mardirwar à la grande garnison. Apparemment, son passé l'avait rattrapé. L'amiral Nadir devait répondre de la disparition de cargaisons destinées aux soldats turcs. Al-Mardirwar était mécontent. Ainsi, Al-Mardirwar est à la grande garnison à superviser le ravitaillement des mercenaires turcs. Cela ne peut correspondre qu'à une seule et même personne. Le seigneur Wasif al-Turki. Wasif. Cela se tient. Peu de gens autres que lui auraient pu s'emparer de Béchi. Béchi a été capturé? Il n'est jamais revenu. Wasif vient de rentrer d'un déplacement au profit du calife et est à la garnison. S'il tient Béchi, c'est à cet endroit qu'il doit se trouver. Alors c'est là que je vais aller. Wasif contrôle la moitié de Bagdad. Si nous l'attaquons et échouons, il peut lancer un conflit qui s'étendra jusqu'à Alamout. Tu as besoin de Bassim. D'accord. Je vais retrouver Bassim à la garnison avant d'agir. Mais fais vite. J'en ai assez d'attendre. Entre dans la grande garnison et tue Wasif. Il ne doit pas s'enfuir et il faut qu'on croie que c'est l'œuvre d'Ali. La sécurité d'Alamout en dépend. Tu peux compter sur moi. Voici qui arrive la fin de cette vidéo.
Toujours les fumigènes qui sont extrêmement efficaces hein, pour tuer les personnages importants. Je pense l'améliorer un peu encore, car cela risque d'être extrêmement utile en cette fin d'aventure. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire si vous le désirez. Merci encore. À plus.